Salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon retour sur Resident Evil 1, hein, pas le 7, le 1, parce que à chaque fois je me trompe, en compagnie de notre ami Chris, on va aller sur le balcon après avoir poussé ma souris de l'écran. Coucou, je suis la souris. Désolé, je pète un câble. Donc, on va aller juste là. J'utilise les herbes vertes. Il en reste encore pour, apparemment. Donc, on va aller de ce côté du balcon, puisque normalement c'est par là que. Je déverrouille la porte ici qui remène dans le hall d'entrée. On dirait qu'il n'y a rien à ramasser ici. Il est dit que le chien traîne par ici. Vous avez soufflé dans le sifflet pour le chien. Possible, je l'ai pas eu en un coup. Je lui mets un coup critique, quoi. Et je suis déçu. Et je pensais avoir plus de mal que ça. Je suis tellement déçu. Je jette le sifflet pour chien puisque j'en ai plus besoin. Et je retourne au chaud. Rien d'inhabituel. Ah. Une imitation de clé. Bah ça, je sais tout de suite où est-ce qu'il va falloir le placer. Donc on va y aller sans attendre. Je vais faire le tour par ici. J'ai quoi sur moi? J'ai la fausse clé. Ouais, ça me permettra de. Je vais faire le tour par en bas, ça me permettra de passer dans la salle où il y a les plantes vertes. Mais non, je ne pourrais pas les récupérer puisque j'ai déjà la clé. Enfin, place pour la prendre. Ah, la gestion de l'inventaire, c'est plus compliqué dans Resident Evil 1. Dans tous les, enfin, dans les premiers Resident Evil, pour moi, ça a toujours été plus compliqué. Ça se voit qu'on est avec Chris et pas avec Jill. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on joue le personnage féminin, c'est-à-dire Jill, le jeu est plus facile. On commence directement avec le pistolet. Le zombie est plus là. Il y a plein de corbeaux. Donc on commence directement avec le pistolet. Et notre ami Kenneth, décédé dans la salle juste à côté. Ah, un chargeur de munitions sur lui. Y en a qu'on l'a vu plus facile que d'autres. Trop tard, je suis parti. On respire. Donc, on va faire notre petit échange de clés. Oui, on trouvera la paix dans la mort. Les murs se referment, blablabla. Hop.
présentation de la clé. Et tout va bien. Je me mets à l'abri, je sais pas pourquoi, mais je me mets à l'abri. Et on a une armure. Donc on obtient la clé d'armure. Très bien. Ici c'est, je suppose que c'est le casque. Bien sûr. Ça serait pas drôle sinon. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on repasse dans la salle juste avant avec nos amis les zombies. Ah, c'est pas comme d'habitude, je peux pas foncer dans le tas et exploser tout ce qui m'a tout ce que j'aime pas. La clé armure, la clé armure. Je devrais pas pouvoir aller dans cette salle-là. Je crois pas. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Faut que j'essaye le balcon. Faut que j'essaye toutes les salles de toute façon. Faut que je repasse dans toutes les salles. Donc c'est pas celle du haut. En bas c'était verrouillé, donc c'est pas ça non plus. Bon bah, je vais commencer. Mince, à chaque fois je me trompe. Je vais commencer par. Je vais essayer les salles d'à côté là. D'abord celle-ci. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Sauf si je fais le tour. Ouais, si je fais le tour, je perds du temps. Sur moi. Alors là, on voit que le magnifique zombie que j'avais tué tout à l'heure, ici présent, est pas dans le même sens déjà, et qu'il a des griffes au bout des doigts. Ça veut dire qu'il s'est transformé, et que si je le dérange un peu trop, il va se relever. J'aurais eu de l'essence, je l'aurais fait brûler tout de suite là à distance, mais j'ai pas d'essence. C'est pas grave, on va tester les salles du bas. J'ai pas eu besoin du soin. Bah oui, puisque je pensais avoir besoin du soin à cause du chien, et puis et je me rappelais qu'il était dur à tuer, et je l'ai one shot. J'ai été complètement déçu par ce chien là. J'avoue, il m'a bien bien déçu. Ça c'est verrouillé depuis l'autre côté. Là j'ai utilisé la clé armure. Nice. Alors on a du ruban encreur. J'en ai pas besoin. Normalement ici. Partition musicale. Nice. Qu'il n'y a rien d'autre. On a un joli piano avec lequel on va utiliser notre magnifique partition. Comment ça inutile d'utiliser ceci maintenant? Ok, il veut pas l'utiliser. Ce qui veut dire que je viens de ramasser un objet qui va m'embêter. Voilà, pour rester poli. Donc il faut que je trouve le moyen d'aller le déposer dans un coffre. Je vais remonter au-dessus pour redescendre au coffre. Et à partir de là, je vais pouvoir explorer d'autres salles. Normalement, je vais pouvoir essayer les portes d'à côté autour. Ouais, ça devrait le faire. Je vais essayer cette porte-là. C'est le casque aussi. J'avais une porte ici aussi. Ouais. Je vais tester juste si celle a déverrouillé. Parce que je crois. Ouais, c'est juste le balcon, donc
Nice, déverrouillé. Je pourrais aller chercher par là plus tard. Le but, c'est quand même d'arriver à déverrouiller toutes les portes avec la clé. Comme ça, on peut la jeter pour. Parce que de toute façon, ça nous le demande, ça nous dit, et vous avez plus besoin de la clé. Et ainsi, on peut la jeter pour avoir plus de place. Après, si on veut être. Si on veut avoir un côté plus RP, je dirais. Bonjour toi. Au revoir toi. Donc je disais, si on veut un côté plus RP, on peut s'amuser à garder les clés. Puisque, après tout, on n'est pas censé savoir qu'on n'en a plus besoin. Ah oui, je voulais déposer la partition. Déposer le soin. Je vais déposer le couteau, ça me fera plus de place. Et puis, de toute façon, j'ai les objets de défense, j'en ai au moins 4. Parce que j'ai 3 dagues et une grenade. Et ensuite, j'ai quand même pas mal de munitions. Donc la clé armure ouvrait bien ici. Est-ce que j'y vais tout de suite? Oui, je vais y aller tout de suite. Parce que ça va me permettre de récupérer 2-3 petites choses. On dirait qu'il n'y a pas de zombies pour le moment. Une autre dague. Déverrouiller. Donc je vais faire tout de suite un petit aller-retour qui va me faire gagner du temps. Donc je suis dans la pièce. Je vais récupérer ça. Faire tomber la statue pour récupérer le truc, on aurait mieux fait de juste grimper sur la statue pour le coup. Mais bon, au moins il était descendu en bas comme ça. Ouais, je peux pas passer, hein. Je suis en mode de jeu original, je peux pas passer les portes. Ça maintient le stress de savoir est-ce que les zombies sont réapparus ou pas, hein. C'est pas, on le sait pas tout de suite. L'ouvres celle-ci? Oui. Voilà. Une inscription. Un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune. Hein? Non! Je me suis trompé. Si, bleu et jaune. Six cartouches de fusil à pompe. Voilà, maintenant il faut trouver, je trouve le jaune pour mettre de l'autre côté pour récupérer ce qu'il y a de l'autre côté. Dans le jeu original c'était le magnum, mais je crois qu'ici c'est pas le cas, je crois que c'est juste un masque. Par là. Alors par ici. Oula, je vais me faire voir. On va, hop, se débarrasser de cette chose. Ah, donc comme vous l'aurez compris, il y en a un dans l'armoire. Il me semble qu'il y avait. Ah, d'accord.
Blablabla, c'est juste le journal intime du gardien. Ils sortent pas. Bonjour. Il saigne apparemment. Bon, tout ça pour récupérer une vieille clé dont je ne sais, je ne connais même pas l'utilité. C'est pas grave, on trouvera bien un jour ou l'autre. Alors là, on voit très bien qu'il y a des zombies à la fenêtre. Là, on a la plante démoniaque qui va nous empêcher. Donc le rouge alimente la fontaine au milieu. Très bien. C'est-à-dire vers la plante. Qui m'empêche de passer, hein. J'essaye même pas, je sais que je j'y arriverai pas. Donc j'ai 4 couteaux, 2 grenades, j'ai de quoi me défendre 6 fois si je me fais attraper. Faut que je recharge ça. Ok. Zombie qui fait toc toc à la fenêtre. Oui, monsieur zombie, mais j'ai pas besoin de vous. Alors, si je me rappelle bien, il y a un réservoir de kérosène ici. J'ai quoi, j'ai de quoi la recharger encore une fois, mais peut-être pas les deux doses comme d'habitude. Il me semble qu'avec Jill, la gourde contient 3 doses aussi. Donc là c'est déverrouillé, là il me manque un truc, là il me manque un truc, mais il me faut l'engrais. Là ça me sert à rien, là ça s'ouvre pas. Là c'est verrouillé, là c'est verrouillé. Là aussi, il faut que j'aille au premier maintenant. Faut que j'aille au premier. Tiens, faut que j'aille regarder cette porte là. Et ensuite je passerai comme ça et pour essayer de voir celle-ci. En esquivant les zombies qui sont dans la salle. Ça sera plutôt pas mal. Ah si, il est mort. Ah bah. Je dis qu'il faut que j'essaye d'ouvrir la salle d'à côté, je m'en vais sans essayer. Non. Et hop là par là. Celui-là, je le fais tourner en bourrique. Et ça m'amuse, je vais le faire tourner en bourrique jusqu'à la fin du jeu. Enfin, aussi longtemps que je passerai par là. Non, verrouillé depuis l'autre côté. Je me suis fait huer. Je peux rien faire ici. Je suis tombé juste à côté du zombie. Ah, juste dans son dos. Salut! Je sais même pas si j'ai pas déposé d'objet, je crois, j'ai tout. Je suis même pas passé déposer mes objets, j'ai toujours les cartouches et la petite clé.
Déverrouillé et j'irai voir après parce que je vais essayer d'aller déverrouiller les portes là, voir si ça me permet de jeter la clé. Allez. J'ai utilisé la clé armure. Nice. Ici aussi. Ah, il y a peut-être là, là. Hop, je vais continuer à essayer de déverrouiller les portes avec la clé. Donc il faut que je passe par là. Déverrouiller. Apparemment, c'est l'aile où il faut la clé armure. Là, il y a encore une porte derrière, je vais aller vérifier. Il doit y avoir encore au moins une porte en bas. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Je vais essayer de trouver une issue. Wesker. Oh, très gentil de sa part. Deux chargeurs de pistolet. Boîte de cartouches. Le soir, je peux pas encore le prendre. Je dépose des choses. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, je vais récupérer les deux bonbonnes. Je vais les mettre dans le coffre. Alors il faut savoir que les sprays de premier secours soignent intégralement le personnage, enfin si je me souviens bien, sauf si c'est plus le cas dans cette version. Je pense pas. Voilà, comme ça c'est bien rangé. Oui, je sais, je suis maniaque, mais au moins c'est bien rangé. Je sais ce que je. Ce que j'ai besoin. Eh bien, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, voire à partager la vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, hein. Tout est dans la description. Et sur ce, et ben moi je vous dis à la prochaine fois pour plus d'aventures avec notre ami Chris. Allez, salut tout le monde!